Avec mon poste sur un fond de serre, on parle de tout et de rien, de Niger au visa, de la traversée du désert au couscous de Yéma. Et mon cousin me dit, Yannick, qui faisait de là? Il était tellement con que j'ai jeté mon cirage en rat. Avec deux trois blédards, on tape la discussion. La route peut pas s'empêcher de dire que je suis dans la chanson. L'un d'eux me dit, moi j'étais pas bien fait télévision. Et l'autre me demande, ça a l'air Michael Jackson. Il parle trop vite et en argot de blédard. Je sais ce qu'il ferait pour le premier final bonheur. Le soleil se couche et tout le monde rentre chez soi. C'est l'heure du repas et tu la tailles. Gauche la chicha, j'ai passé un bon mois dans ce qu'on appelle le terme. Et si j'avais assez dosé, j'emmènerais tout le monde. Mais je peux pas fermer les yeux sur ce qui se passe vraiment. Les dispensants ont disparu aux enfants et aux mamans. Et je suis rentré à la cité, Marbella. Content de revoir mes potos et ma chepa. Pendant deux semaines j'ai mangé de la chalba. J'irai finir mes jours là-bas. Inch'Allah, rester à la cité, mon père m'a dit. Dans ce cas-là, je ramène tous mes amis. Alors dans une semaine, je rentre à Vitry. J'irai finir mes jours là-bas. Je voulais rester à la cité, mon père m'a dit. Dans ce cas-là, je ramène tous mes amis. Alors dans une semaine, je rentre à Vitry. J'irai finir mes jours là-bas. S'il te plaît, vas-y, laisse-moi ramener mon frère. Bon, dans ce cas-là, je ramène mon croquard alors. Alors je prends tous mes CD, toutes mes cassettes. Bon, je prends rien alors. Bon, je me fais la boule au moins. Je ramène la PlayStation. Bon, la télé du salon au moins. Moi, je vais aller là-bas pour marier ou quoi? Whoa.